Roland Hamann, président de l'association de sauvegarde du site de la chapelle de Vélin. L'association que je préside a été créée en septembre 2013. Et son objectif, c'est justement de restaurer un peu ce site, pas seulement la chapelle, mais aussi tout le site qui entoure cette chapelle. Alors, nous sommes sur la colline qui surplombe le village de Dantin, et sur cette colline est attesté dès le XIIe siècle un village du nom de Vélin, ou Vellingen. Et ce village, comme beaucoup d'autres villages de la région, fut rasé complètement durant la guerre de 30 ans. Et en 1684, donc quelques années après cette guerre, on dénombre encore 5 maisons à côté de cette chapelle. Aujourd'hui, il n'est pas rare de découvrir de temps en temps de vieilles pierres, voire d'y redécouvrir deux puits maçonnés en pierre de taille qui existent toujours. Voilà pour le site de Vélin. Alors sur ce site, il y avait donc cette chapelle aussi du village, et cette chapelle remonte donc au XIIe siècle. Bon, elle a été elle aussi détruite, reconstruite à plusieurs reprises. Celle que vous voyez derrière moi, c'est la reconstruction de 1850, d'ailleurs date qui figure sur le linteau de la porte d'entrée. Et l'église, cette chapelle de Vélin, devint ensuite, au XIVe siècle, une véritable église, une église mère pour 7 paroisses environnantes, dont Boulay et Mauverstroff. Et cette église mère, de style néo-gothique, a été, comment dire, accompagnée aussi de la construction d'un ossuaire, puisque les morts de ces paroisses étaient enterrés ici. Et l'ossuaire, qui se trouve à côté, enfin qui se trouvait à côté, existait encore jusqu'en 1944. Une photo qui date des années 1900 montre encore une façade imposante avec 4 arcades et des colonnes torsadées, un ossuaire donc imposant, classé monument historique en 1923, partiellement détruit en 1944 lors de l'avancée des troupes américaines. Aujourd'hui, de cet ossuaire, il ne reste plus que les fondations. Alors comme cette chapelle dénote la présence d'un site ou d'un centre religieux d'importance, il y avait forcément un ermitage dans lequel je me trouve actuellement. Et cet ermitage est aussi en ruine, mais vous voyez encore distinctement les fondations. L'ermite, dont la présence est attestée jusque vers la fin des années 1700. L'ermite avait, entre autres missions, celle d'imposer aux pèlerins, atteints de maux de tête, la réplique de la couronne de Saint-Henri. Qui était Saint-Henri ? Saint-Henri, d'abord duc de Bavière, a été couronné empereur romain germanique en 1014 par le pape Benoît VIII. Et donc, un peu partout dans le monde, il y a eu réplique de cette couronne dans certaines églises. Et une de ces répliques était à Dantin. L'un des derniers ermites a construit un chemin de croix en 1725. Un chemin de croix qui jalonnait
le sentier qui montait de Dantin vers la chapelle. Et derrière moi, donc, vous apercevez encore la dernière station ou le dernier calvaire de ce chemin de croix. À proximité également, nous avons regroupé quelques pierres restantes d'autres calvaires que nous avons recueillis sur le sentier. Alors, suite au bombardement de novembre 1944, donc l'ossuaire avait été grandement détruit, la chapelle a été touchée, et donc en 1961, la chapelle fut reconstruite sommairement, avec un enduit intérieur et la sauvegarde des dalles gravées au sol, dalles gravées qui remontent au XIIe siècle. Après cette restauration sommaire sur dommages de guerre, en 1961 donc, vinrent 5 ou 6 décennies d'oubli. Le site fut délaissé, la nature reprend ses droits, et nous découvrons en 2013 un site embroussaillé, inaccessible, perdu au milieu de nulle part. Et donc, nous avons créé, en septembre 2013, l'association de sauvegarde, non pas de la chapelle, mais du site de la chapelle de Vélin. Après avoir mobilisé quelques fonds publics auprès de la région Lorraine, du département, sous le couvert de la Fondation du patrimoine qui nous a beaucoup aidés, avec la mobilisation des habitants de Dantin qui ont retroussé leurs manches, nous avons commencé par débroussailler le site. Et je me souviens encore, le premier jour de notre travail, nous avons carrément façonné 25 stères de bois, ce qui fut le premier budget de notre association, puisque ces 25 stères de bois, on les a vendus pour commencer les travaux de restauration. Donc, avec la mobilisation des partenaires extérieurs, avec les dons des particuliers et des entreprises, nous avons pu faire les travaux de mise hors d'eau, notamment sur la toiture qui était délabrée, sur les descentes de gouttières, etc., et sur l'enduit extérieur. Bon, ces travaux, un peu lourds, ont été accomplis par une entreprise. En 2018, grâce aux fonds toujours recueillis au fil des ans par les dons, mais aussi surtout par l'organisation d'une fête champêtre annuelle, où chaque année viennent à peu près 250 personnes, nous avons investi dans de la peinture. Et avec 5-6 bénévoles, pendant tout le mois de juin et début juillet, nous avons repeint l'intérieur de la chapelle, aussi bien les murs que le plafond. Alors reste maintenant, une fois que la chapelle est restaurée intérieurement et extérieurement, à animer le site. Nous avons des projets d'animation culturelle dans le domaine musical ou dans les conférences. Donc ça reste à faire. Et donc s'il y a des amateurs qui veulent se produire à Dantin, nous sommes preneurs. Ce site est en effet un site verdoyant, dans un cadre de verdure absolument remarquable, dominant tous les environs. Donc c'est dommage de ne pas profiter un peu de ce cadre bucolique et tout à fait remarquable. Alors pour 2018, la semaine prochaine, d'ailleurs le 12 août,
nous organisons ici même la 5e fête de la chapelle, une fête champêtre, selon le programme suivant, messe paroissiale pour la communauté de paroisse à 10h30, suivi d'un repas champêtre au sanglier. Donc les bénévoles, renforcés par d'autres bénévoles du village, nous sommes une vingtaine, nous allons convier à peu près 200 ou 250 personnes à venir manger du sanglier à Dantin.